Bonjour. Comme vous le savez, je suis le roi du bricolage. Et donc, je ne voulais pas le faire puisque ça fait quand même maintenant 3 mois que mon évier, mon robinet fuit. Et je voulais pas le changer. Et puis, j'attendais que quelqu'un le fasse un jour. Bon, c'est dur quand il n'y a pas grand monde qui passe chez toi. Du coup, j'ai décidé de changer moi-même le joint, semblerait, devant une caméra parce que je me suis dit, quitte à le faire, autant faire rire des gens. Voilà. Donc, voici le problème. Bon alors, l'eau coule d'ici, il paraît que c'est normal. Par contre, là où c'est pas normal, c'est que... Vous voyez là? Là, ça fuit vraiment beaucoup, quoi. L'eau part de partout. Donc, je vais dévisser ça. Je pense qu'un bricoleur me dirait, le mieux, ce serait de couper l'arrivée d'eau. Mais vu que je sais pas où c'est, je vais pas le faire. Et surtout, je suis malin, parce que vu que le robinet est là, je me dis que l'eau, elle doit pas... Elle est là, l'eau elle doit s'arrêter avant, donc du coup je vais l'ouvrir et puis si ça fuit beaucoup, ça sera drôle. Donc j'ai des ronds hein, à mettre, voilà, et on est parti. Oh, je crois qu'il n'y a même pas besoin en fait, c'est tellement dévissé qu'il n'y a pas besoin. Eh ben oui hein. Donc c'est bien ce que je pensais, l'eau s'arrête. Alors ça veut dire que si j'ouvre le robinet... Bon, bref, bon, c'est rigolo. Donc... Mais c'est pas normal ça. C'est cassé ça. Ça là. C'est cassé ça. Normalement ça devrait être rond tout le temps. Mais c'est pas ce que j'ai acheté. Il y a quoi là-dedans? Bon, il y a un trou quoi, il y a de l'eau. Ok. Je crois que j'ai pas du tout ce qu'il faut. Clément, il avait dit un rond rouge, j'ai acheté des ronds rouges. J'ai ça tellement comme une merde. Ça pue! Qu'est-ce que ça pue? Eh, ça, ça a l'air d'aller, hein. Ça, là. Je sais pas, je vais le mettre entre les deux, je vais revisser. Trop chiant. J'ai réussi. C'était vraiment pas drôle. C'est la première fois que je crois que je réussis à un truc du bricolage du premier coup. Pour une fois que je le filmais. Bon bah si vous avez des problèmes, maintenant vous savez qui appeler. Hein. Je pose aussi des étagères et je casse des murs. Si vous voulez faire une ouverture entre deux pièces, je suis là. À bientôt. Rajoute un pouce. Maman. Oui. Qu'est-ce que t'as fait hier? Bah, le robinet fuyait toujours, donc le joint n'était pas le bon, donc il a fallu changer le joint. L'idée était bonne, t'avais trouvé le concept, mais pas le bon joint. C'est fou, parce que pour une fois, je croyais vraiment avoir réussi un truc de bricolage dans ma vie. Quoi. Par contre, il y a un truc que j'ai réussi, c'est vraiment la tête de mon chat. Là, il est beau. Range ta langue, s'il te plaît, range ta langue. Merci. Rajoute un pouce bleu! Parce que sur YouTube, les pouces c'est hyper important, sinon personne voit la vidéo. Mais je te force pas, hein. Ça serait sympa. Abonne-toi à ma chaîne! Si tu veux. Si tu veux. Et regarde ces vidéos! Si tu veux, je force à rien. Je suis comme ça.